La situation de la Guinée est très complexe, est très compliquée et très complexe. La bonne vivre ensemble est fragilisée. Je veux dire, Mamadi Doumbia, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Mon premier conseil, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Il n'a qu'à réfléchir plusieurs fois d'abord avant d'agir. S'il va agir, il n'a qu'à agir de manière juste et correcte. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Je vais dire à Mamadi Doumbia, les gens qui sont en train de pousser, les gens qui sont en train de donner les conseils, qu'il doit s'étreniser au pouvoir, les gens là, ce sont ennemis. C'est que y a un artiste guinéen a dit Idege Kelina. Idege Ikelina. Khatola nafa ikhadon. Khakansiye nafa ikhadon. Kha Sulembore ni nafa ikhadon. Kha Konkoibore nafa ikhadon. Mais Idege Ikelina. Nana l'am Mamadi Doumbia bi. Comme si c'est à cause de l'argent, il n'a qu'à faire son temps, il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à faire son temps. Mais la transition est bien déterminée. La transition est bien connue pour tout le monde. La signification de la transition. Donc, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Ceux qui sont affamés de pouvoir, ceux qui sont affamés, ils sont comme ils n'ont pas emploi. Ils sont en train de chercher emploi. Maintenant, aujourd'hui, on a donné les postes de responsabilité à ces gens-là, soit les diasporas qui sont quittés en Europe ici, aller en Guinée, soit les Guinéens qui sont là-bas, comme Ousmane Gawal Diallo, c'est double transant. Ousmane Gawal Diallo, par exemple, qui est à côté de lui, son porte-parole de son, gouvernement et son ministre aussi. Ousmane Gawal Diallo, c'est une personne trahisonnaire. C'est un couteau qui a double tranchant. Ousmane Gawal Diallo. D'abord, je vais commencer pour Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, c'est un couteau double tranchant. Il doit faire beaucoup attention. Hier, le moment que il était à l'opposition républicaine de IFDZ, le moment de décrépissement, quand Alpha Condé parlait qu'il va démolir beaucoup de maisons, le moment que les gens parlaient qu'ils s'est occupé des domaines de l'État, patrimoine bâti, en ce moment-là, c'est Ousmane Gawal Diallo qui est sorti dans les médias, qui est celui a eu cette maison-là, qui est celui a gagné cette maison-là, manière légale, manière correcte, manière sans aucun doute que celui est légitimement gagné ces maisons. C'est Ousmane Gawal Diallo qui a dit ça. Maintenant, le temps de Mamadi Doumbia, c'est Ousmane Gawal Diallo même qui a autorisé pour aller démolir la maison de Zeloudale. Donc, cela veut dire qu'il a deux langues. Donc, il a deux langues. Ça, c'est un. Ousmane Gawal Diallo, c'est une opportuniste. Le moment qu'il était en France ici, il a dit que si on a tué le président, que ce n'est pas interdit pour tuer le président Alpha Condé. Et ils ont même voulu arrêter Ousmane Gawal Diallo à ce moment. Maintenant, aujourd'hui, lui, il est à l'autre côté, il est en train de parler de tout et de rien. Ça, c'est une opportuniste. Si c'est l'opportuniste qui est entouré Mamadi Doumbia, cela veut dire que la Guinée ne peut pas en sortir. La Guinée, plus en plus, la Guinée va enfoncer, la Guinée va foncer dans les trous, la Guinée va rester dans les trous sans un porte de sortir. Il n'a qu'à faire attention. Ça, c'est un. Quand nous regardons, je connais beaucoup de diasporas qui sont quittés en France, à Canada et d'autres endroits qui sont dans son gouvernement, d'autres qui sont secrétaires généraux, d'autres qui sont dans le parlement. Tous ces gens-là, ils sont là même pour avoir
100 euros, pour même avoir 20, 30 euros par jour, ça a été difficile pour eux. Parce qu'ils n'ont pas emploi. Maintenant, si on a nommé ces gens-là dans un poste de responsabilité publique de la Guinée, maintenant, ils ont commencé de touser parce que leur salaire, je sais que tous ces secrétaires généraux-là, leur salaire, c'est une somme à peu près récompensable comme le salaire d'Europe ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, maintenant, on a commencé de toucher notre salaire. Il y a moyen de financement parce qu'on ne payait pas les logements, on ne payait rien, on a beaucoup d'opportunités. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont encourager Mamadi Doumbia pour se estréniser au pouvoir. Cela n'est pas bon pour Mamadi Doumbia. Ça va être une danse. Il y a toute classe de danse. Il n'a qu'à prendre l'exemple à Moussa Dadis Camara. Le moment que, le 28 septembre 2009, la manifestation qui a été passée contre Dadis Camara, s'il a oublié ça, nous, on va rappeler Mamadi Doumbia. Il n'a qu'à prendre des exemples à Moussa Dadis Camara. Donc, si la population est en colère, si la population est révoltée, rien ne va empêcher ces populations pour manifester. Rien ne va empêcher ces populations pour révolter. Même si tu vas tuer toutes les populations, une population qui est en colère, une population révoltée, tu ne peux pas maîtriser. Donc, il n'a qu'à faire beaucoup, beaucoup attention. Je vais dire Mamadi Doumbia, quand on a dit des crimes de sang, six des crimes de sang, qu'ils ont été des bousés de Alpha Condé. De bousés de Alpha Condé, on doit connaître qui sont des bousés de Alpha Condé. Qui ont tué les gens, on va disparaître des corps, on va expliquer, on prend les corps, on va disparaître, on va kidnapper les gens pleine de nuit. Tu sais, crime de sang, quand on commence des jugements de crime de sang, c'est très complexe. C'est un événement douloureux. C'est un événement qui très sensible. C'est un événement qui ça touche la mémoire de tout le monde. Parce que depuis 1958, le temps de Sékou Touré, il y a des crimes de sang en Guinée. Ils ont kidnappé beaucoup de personnes. Ils ont tué beaucoup de personnes à tort. Ils ont fait les pendissements de 8 novembre. Ils ont fait le centre de tir à Kindia. Et beaucoup de personnes en un mot qui étaient dans les Kambouaro injustement. Cet crime de sang a continué. Et le temps de l'ancien a compté. Il a eu des coups d'état de 4 juillet de Diarra Traoré. Diarra Traoré, le 4 juillet de Diarra Traoré, beaucoup de sang est mort. Ils sont innocents. Ils sont innocents qui n'ont pas mérité de mourir. Le coup d'état de Diarra Traoré. Après le 96, Yaya Sow. Le coup d'état de Yaya Sow. En 96. Jusqu'à la mort de l'ancien Conté. Certaines personnes sont mortes dans une circonstance qui ne doit pas être mourir. Ils n'ont pas mérité cette mort-là. Parce que tout le monde a droit à la vie. Donc, il y a beaucoup de... La situation de la Guinée est très complexe. Ça, c'est un. Donc, jusqu'à l'événement du 28 septembre de Dadis, jusqu'à Sékouba Konaté est venu au pouvoir, jusqu'à Alpha Condé a donné, et à Sékouba Konaté a organisé l'élection 2010, et le moment de campagne de premier tour et deuxième tour, Alpha Condé a provoqué la mort de beaucoup de personnes. Alpha Condé a à part de les rébellions que Alpha Condé a amenées en Guinée, à part de plusieurs reprises, en plusieurs fois, Alpha Condé a envoyé des rébellions en Guinée. Mais à part de ça, 2010, dès que Alpha Condé a dit empoisonnement de peuple, parce qu'il sait qu'en âme de conscience, on ne peut pas organiser élection en Guinée,
une élection libre, transparente, que Alpha Condé va gagner l'élection. Il n'en a pas de question. Alpha Condé, même, il est sort avec un petit enfant qui ne connaît même pas la politique, qui ne connaît rien dans la politique. Si on veut l'élection Alpha Condé avec ses enfants, Alpha Condé ne peut pas remporter de victoire. Mais qu'est-ce que Alpha Condé a fait? Il a créé un désordre, un conflit, parce qu'il est champion de créer des conflits et des désordres. Maintenant, Alpha Condé a dit empoisonnement de Peul, que le Peul, la communauté Peul, rentraîne de prendre les poissons, met dans l'eau, vendit à le Guinéen. Maintenant, Alpha Condé n'a pas pensé si un Peul prend l'eau glacée, il met les poissons dans l'eau, donne les enfants, ils n'ont qu'à aller vendre au marché. Alpha Condé n'a pas pensé, les enfants là, ils vont bandit, ils ne connaissent pas, celle-là c'est un Peul, est-ce que c'est un Peul qui va accepter? C'est un Malinké, c'est un Soussou, c'est un Forésière, etc., etc. Et c'est un Diakanké, il ne connaît pas. Est-ce que le Peul vont faire ça? Mais comme Alpha Condé a fait ça pour créer, parce qu'il sait que beaucoup de Peul, ils ont en route Guinée, ça fait des années, des années. Et encore, beaucoup de Malinkés qui ont été vendus de temps de Samori Touré. Samori Touré a vendu beaucoup de Malinkés à Moyen Guinée. Le temps de Samori Touré, le Keta, les Camara et consorts là, différents noms de la famille qui est en route en Moyen Guinée là. Ils sont venus le temps de Samori Touré. Samori Touré a vendu les esclaves à Moyen Guinée. Maintenant, c'est le descendant de Zal là. On a plus, il n'y a plus d'esclavitude. Hein. L'esclavitude est finie. Mais en ce moment, ils sont vendus en tant qu'esclaves à Fouta. Je ne parle pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous sommes 21e siècle. Ce qui est possible hier, ça ne sera pas possible aujourd'hui. Mais avec les différents noms de la famille qui est à Fouta, Alpha Condé a créé, il a dit qu'empoisonnement de Peul pour créer des conflits, affrontements entre les Guinéens. Cela a coûté la vie de beaucoup de personnes. Cela a coûté pour le divorce complet avec les différentes ethnies en Guinée. Cela a coûté des divorces, des multiculturalismes en Guinée et des divorces des Sanakuya qui existe entre nous. Les Sanakuya qui existe entre les Guinéens, l'empoisonnement de Peul a provoqué de ça. Qui a fait ça? C'est Alpha Condé. Il a fait ça pour préméditer, pour créer des conflits, pour que le moment qu'il y a des affrontements à Moyen Guinée, le moment qu'il y a des affrontements à Fouta, ils vont dire c'est le Peul, ils vont mettre un mauvais ticket sur le Peul. Ils vont dire c'est le Peul qui a dit c'est notre tour. Mais le Peul, maintenant, les sources de problèmes, ils ont oublié. Ils ont oublié des sources de problèmes. Maintenant, cela a agrandi jusqu'à Alpha Condé. Maintenant, il a fait comme une amalgame. Il dit que le Peul a dit c'est notre tour. Parce que quand tu fais la hésitation dans la violence, quand la personne là n'a pas se maîtriser, tu vas dire la personne là est violente, alors que c'est toi qui as provoqué ces violences là. Ça était passé en Guinée. Maintenant, dès qu'on a dit d'empoisonnement de Peul, c'est Loudalé a appelé Alpha Condé. Il dit, avant le deuxième tour, il dit que Alpha Condé, toi et moi, toi tu es Guinéen, moi c'est Lou, je suis Guinéen. Nous sommes des frères, quelles que soient les querelles politiques, quelles que soient appartenants politiques, nous resterons Guinéens. Alpha Condé, toi et moi, on prend un seul véhicule. On va monter dans un véhicule, on va faire le tournée pour réconcilier les Guinéens avant l'élection de deuxième tour. Toi et moi, on prend même véhicule, on va aller à Haute-Guinée, on va aller à Moyen-Guinée,
Montrer les Guinéens que nous sommes des frères. Montrer les Guinéens que la politique ne peut pas nous séparer. Montrer les Guinéens que nous sommes des familles. Avant tout, la politique, c'est une autre chose. La familiarisation, l'unité nationale, c'est autre chose. Alpha Condé a refusé catégoriquement. Alpha Condé a refusé catégoriquement qu'il ne peut pas aller faire la réconciliation, que ce n'est pas son problème. Tout le monde connaît le. Parce qu'il sait que pourquoi il a dit empoisonnement de peuple. Depuis en ce moment, le problème de l'ethnie a gravité dans notre pays. Le problème de l'ethnisation a pris en colère et ampleur dans notre pays. À cause de ça, ampleur, il y a des politiques, il y a ethnisation qui a pris ampleur dans notre pays. Jusqu'à l'élection, le deuxième tour est passé, ils sont. Fait tout l'amalgame pour donner le pouvoir à Alpha Condé. Maintenant, aujourd'hui, on va acquiescer Seloudalé. Je n'ai pas dit. Seloudalé n'a pas détourné l'argent de la Guinée. Je n'ai pas de preuves, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas un défenseur de Seloudalé Diallo. Non. Je ne suis pas ni militant, ni sympathisant de Seloudalé Diallo. Je ne suis pas. Mais, le moment du deuxième tour, quelqu'un qui a gagné 42%, l'autre est venu troisième position parce que c'est celui qui est le premier, Sidya Touré est deuxième. Ils ont éliminé Sidya Touré pour que Alpha Condé vienne comme deuxième position. Alpha Condé a gagné selon information, 18%. Maintenant, si lui l'a emporté pour des victoires à deuxième tour, il faut connaître parce qu'il y a la manipulation. Il faut connaître parce qu'ils ont trisé des élections. Il faut connaître parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Kiridi Bangoura a dévalué après de 10 ans. Lui, il a expliqué comment ils ont trisé des élections. Mais tout le monde sait que avant que Kiridi Bangoura parle, on a déjà connu que il y a des tricasses, il y a des manipulations élections. Maintenant, ça a été passé. Seloudalé a reconnu son défaite. Il a félicité Alpha Condé pour privilégier la paix. Si celui il était contre la Guinée, si celui sont ennemis de la Guinée, le jour 2010, il peut imposer, comme Alassane Ouattara a imposé à Côte d'Ivoire, comme Laurent Gbagbo. Mais celui a dit que lui, il va gouverner des peuples guinéens, il ne peut pas être président de cimetière. Que lui ne peut pas être président de cimetière. Donc ça là, au moins, celui a détourné l'argent de la Guinée, c'est possible. Mais ça là, celui a donné la vie, celui a protégé les vies guinéennes, celui a protégé la paix, celui a protégé l'unité nationale. Parce que chaque personne, être humain, on a des qualités, on a des défauts. Être humain, toujours. Il y a la qualité de la personne, il y a des défauts de la personne. Peut-être il a volé l'argent. Peut-être c'est lui qui a vendu de Air Guinée. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas démentir. Je ne suis pas là pour démentir qu'il n'a pas vendu de Air Guinée. Mais il y a un président. Lui, il est ministre. Si le gouvernement de l'ancien Conté n'est pas d'accord pour vendre de Air Guinée, il peut appeler celui-là pour faire un procès sous disert contre celle-là, pour que celle-là vienne donner cette justification pour quand Air Guinée a été vendue. Mais je pense, si celle-là a signé, fait la signature, mais je pense que le gouvernement de l'ancien Conté aussi, il était d'accord pour la vente de Air Guinée. J'ai une impression. Ça, c'est une entre parenthèses. Maintenant, ça a été passé. Quand nous parlons qu'on va poursuivre les gens qui sont organisés des manifestations en Guinée. Pourquoi manifestation a été organisée en Guinée? Je vais vous mettre à l'aise, mes frères guinéens. Premier tour de élection jusqu'à deuxième tour, ça a pris 6 mois après. Honnêtement, dans un pays, élection premier tour et deuxième tour, c'est 15 jours. 15 jours, élection premier tour et deuxième tour.
Mais si élection premier tour et deuxième tour est partie jusqu'à 6 mois, est-ce qu'il y a l'honnêteté dans ça? Est-ce que ça ne peut pas provoquer des manifestations? Les bases des manifestations ont commencé là-bas. Parce que entre premier tour et deuxième tour de l'élection, ça a pris 6 mois après. 6 mois après, on a organisé l'élection deuxième tour. Donc ça peut provoquer des manifestations ou bien ça ne peut pas provoquer des manifestations. Et maintenant, l'arme de guerre, un bon politicien, c'est quoi? Je n'ai pas dit les mauvais politiciens comme Alpha Condé, parce que Alpha Condé a dit que la guerre, on le fait pourquoi? Que s'il n'y a pas de démocratie, que la guerre, que chaque élection, si le pouvoir en place se fraude, se maintenir au pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Que tu vas recourir aux armes de guerre. Mais le cas de bon politicien n'est pas ça. Un bon politicien, quand il y a un désaccord, quand il y a un mécontentement, maintenant tu as négocié fatigué, tu as dialogué fatigué, tu n'as pas une autre méthode, tu n'as pas une autre choix, il faut que tu vas sortir dans la rue, manifester ton mécontentement, manifester ton désaccord. Maintenant, le durée de l'élection, premier tour et deuxième tour, a provoqué des manifestations. Ça, c'est un. Maintenant, après l'élection 2010, après que Alpha Condé a pris le pouvoir, maintenant, entre élection présidentielle et jusqu'à élection législative du Parlement guinéen, combien de temps a été passé sans organiser des élections législatives? Le chronogramme, la loi a dit combien de temps entre élection présidentielle et élection législative qu'on doit prendre combien de temps. Maintenant, si élection législative n'a pas été organisée, maintenant, si il y a des anomalies dans le fichier électoral, il y a des anomalies de manière d'organisation des commissions électorales indépendantes de la CENI, la structure de la CENI, l'assainissement des fichiers électoraux. Ça peut provoquer manifestation ou bien ça ne peut pas provoquer manifestation. Il faut qu'on va analyser correctement pourquoi il y a des manifestations. Pourquoi les gens sont manifestés? Ils ont manifesté pour quelle base? Pour quel objectif? Donc, si on dit qu'on va poursuivre les gens qui sont organisés des manifestations, manifestation, c'est un droit citoyen. Manifestation, c'est un droit. Une personne qui organise une manifestation parce qu'il est démocrate, parce qu'il est honnête, parce qu'il aime son pays. Sinon, il peut organiser des rébellions, il peut organiser une autre conflit, des désordres, etc. Ou organiser des guerres civiles, insurrections civiques. Mais quelqu'un qui a organisé une manifestation parce qu'il voulait régler les choses de manière pacifique. Maintenant, élection législative. Pour donner les résultats de l'élection législative, qu'est-ce qui est passé là-bas? Comment ça a été passé? Ça a coûté des manifestations sur manifestations. Les résultats législatifs. Après les législatives, quand nous parlons élection communale et communautaire dans notre pays, élection communale et communautaire, normalement, ça doit être organisé la même jour que l'élection législative. Maintenant, mais élection communale et communautaire, ça prend combien de temps? On n'a pas organisé des élections communales et communautaires des communes, différentes communes de la Guinée. Est-ce que ça donne les provocations pour manifestation ou bien ça ne peut pas provoquer des manifestations? Donc, mes frères et sœurs, quand il y a des manifestations, parce qu'il y a des motifs. Maintenant, quand on organise des élections communales et communautaires, pour officialiser, on a vu, ils ont déjà cassé beaucoup de bulletins de salaire, ils ont imposé beaucoup de maires qui n'ont pas gagné des élections même. Comme il y a un exemple, comme Kalimoudou Yassane à Matoto, comme commune Matoto. Par exemple, Mamadou Batos, aujourd'hui, c'est lui qui est le maire de Matoto. Mais officiellement, Mamadou Batos n'a pas gagné d'élection. Mamadou Batos, c'est un ami à moi.
Et sûrement, et c'est mon ami, mais la vérité est bonne à dire. Mamadou Batos n'a pas gagné l'élection. C'est Kalimou Diassané qui a gagné l'élection à Matoto. Maintenant, Kindia, c'est Ablaye Ba qui a gagné l'élection à Kindia. Maintenant, on a discriminé Ablaye Ba Kindia. Tout ça là, ça a provoqué. C'est une provocation ou bien c'est pas une provocation. Tout ça là, ça a provoqué des manifestations ou bien ça ne peut pas provoquer des manifestations. Maintenant, le mandat de député de l'Assemblée est fini. Ça organisé préalablement. L'Assemblée et le député sont dans l'Assemblée d'une manière exceptionnelle, mais leur mandat est fini. Il n'y a pas un autre mandat. On n'a pas. Le gouvernement Alpha Condé, mais il est même incapable d'organiser des élections à bonne date pour respecter le chronogramme de l'élection et la statut et le règlement d'élection. Maintenant, tout ça, là, ça peut provoquer des manifestations ou pas. Jusqu'à Alpha Condé a commencé de triser, de faire organiser une élection illégale, un référendum et coup d'État à la Constitution. Coup d'État civil. Tout ça, là, maintenant, s'il n'y a pas de manifestation, on laisse bras croix, sans faire rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut donner la valeur de la démocratie guinéenne? Ces manifestations qui donnaient les valeurs. Ou bien on laisse comme ça, une personne il va faire ce qu'il veut. Parce que la Guinée, ce n'est pas un royaume. Même si dans un pays royaume, il y a des élections là-bas. Comme ici en Espagne. C'est aussi dans un pays royaume. Mais il y a des élections ici. Il y a des élections au Parlement. Il y a des élections sénateurs et députés, etc. Il y a des élections de présidents, de premiers ministres d'Espagne. Donc, mes frères et sœurs, quand il y a des manifestations, parce qu'il y a des motifs. Mamadi Doumbia n'a qu'à faire beaucoup attention. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Sinon, il risque de passer une petite porte que nous, on ne le souhaitait pas. Mamadi Doumbia n'a qu'à faire beaucoup attention. Il n'a qu'à se réfléchir. Il n'a qu'à se analyser. Il n'a qu'à prendre les bons conseils. Sinon, il risque de passer une petite porte. Il risque de passer une situation très compliquée. Il risque de passer une situation qui peut nuire à sa personne. La Guinée ne laissera pas de continuer à manipuler. La Guinée et les Guinéens ne laissera pas rester soumis. Le Guinée ne restera pas rester soumis. Le Guinée ne restera pas continuer à rouler dans les farines. Quand il y a quelqu'un qui est dans les souffrances, il va réagir d'une manière ou autre parce qu'il n'a rien à perdre. Cette population qui est en Guinée aujourd'hui, sont les populations qui sont pauvres, sont les populations qui sont misérables, sont les populations qui ont été privatisés tous leurs droits, sont les populations qui sont dans le désespoir, sont les populations qui sont dans une précarité, une pauvreté, une précarité. C'est une population qui a des gabecis financiers dans notre pays. Maintenant, cette population, quand ils sont faim, une population qui est faim, une population qui a tous les problèmes du monde, une population qui n'a pas l'avenir. Maintenant, lui, il est en train de chercher son avenir pour amélioration de sa vie quotidienne. Maintenant, si toi, tu t'imposes devant lui, tu vas le tuer. Mais il ne peut pas laisser à manipuler, continuer à manipuler. Parce que si les souffrances étaient l'or, ça trouvera qu'aujourd'hui, la Guinée, si la souffrance était de l'or, ça trouvera que la Guinée est la première puissance de pays du monde aujourd'hui. Mais la souffrance n'a pas le cas. Donc, comme la population guinéenne a beaucoup souffert, la population guinéenne a eu beaucoup de problèmes, maintenant, le problème là, ça ne fait ni chaud ni froid cette paisible population. Un État qui n'est même pas capable de donner le document officiel, document identitaire de ses concitoyens. C'est quel état ça? Mamadi Doumbia,
il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu es entouré les gens qui sont en train de te donner une mauvais conseil. On est en train de te donner le mauvais conseil, le conseil plus mauvais. Si depuis le 5 septembre, le coup d'état de 5 septembre, jusqu'à le 31 décembre, tu as bien travaillé. Le 5 septembre, jusqu'à le 31 décembre, tu as bien travaillé. Zéro faute. Mais à partir de le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui, toujours, c'est le erreur, c'est le erreur, c'est le erreur, c'est le erreur. Tu es en train de faire l'erreur, le gros erreur. Tu as violé toutes les prestations de serment que tu as fait. Les chartes de la transition, tu as violé. Tout le monde sait 100% aujourd'hui. Celui qui vous dit la vérité, celui qui ne peut pas vous dire la vérité. Tu as violé ton serment, tu as violé la charte de la transition. Mamadi Doumbia, tu as violé les chartes de la transition. Tu as violé les chartes de la transition. Tu as violé les chartes de la transition. Mamadi Doumbia, tu as violé ton serment. Mamadi Doumbia, tu as violé ton serment. Tu as violé les chartes de la transition. Ça, c'est pas normal. Et chaque fois, c'est toi-même qui nous avais dit ici qu'on doit éviter de répéter la même erreur passée. Toi, tu es en train de faire le plus pur que de passer. Au lieu de corriger, au lieu de corriger des erreurs, toi, tu es en train d'augmenter les erreurs. Au lieu de stopper toutes les erreurs passées, corriger, le soigner, toi, tu es en train d'aggraviter les erreurs passées. C'est très dommage pour toi, Mamadi Doumbia. Moi, je suis ton frère, je t'aime. Mais avec telle manière, non. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, encore, je commençais et je finirai. Qui sont des bousés de Alpha Condé? Qui sont fait les bousés de Alpha Condé? Qui est disparu des corps en Guinée la nuit, kidnappé les gens et fait le sale boulot? Le temps de Alpha Condé. C'est la question là que je vais poser à tous les peuples guinéens. Parce que moi, je ne connais pas. Il faut que vous allez m'expliquer ici. Il faut que vous allez écrire dans votre commentaire qui fait le sale boulot le temps de Alpha Condé. Qui sont les bousés de Alpha Condé? Qui tient les gens le moment de Alpha Condé? Qui massacre les gens? Qui opprime les populations? Le temps de Alpha Condé. Donc, c'est la question là que je vais poser à tous les peuples guinéens. Si vous connaissez, vous nous envoyez les photos, vous nous envoyez les vidéos, vous nous envoyez des écrits. On a besoin de connaître, d'identifier un à un tous les bousés de Alpha Condé. Tous les gens qui sont tués, qui sont massacrés, qui sont kidnappés. Des populations guinéennes allaient la nuit, pleine de nuit, kidnappaient les populations. On voulait connaître tout le monde.